Bah, go. Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle petite vidéo avec un invité spécial. C'est sa première vidéo avec moi sur PC, c'est Monsieur Drazilou. Coucou à toi. Salut Diel. Comment vas-tu? Ça va, ça va. La forme, la patate pour enfin essayer de faire un jeu potable. On va arriver la à la patate, finir. La pêche pour dégommer le plus de zombies. Voilà, exactement. Alors c'est un jeu qui est gratuit, disponible sur Steam, donc indépendant, qui utilise le moteur de Half-Life 2, si je ne m'abuse. Normalement. Et qui s'appelle No More Room In Hell. Voilà, exactement. Si on dit non, c'est mieux. Qui est un survival horror, où le but est ben de survivre face à cette putain de zombie de merde. T'as une tronçonneuse là. J'ai un sniper aussi. Ah mais je peux pas la prendre, putain. Fais chier. Allez, je l'embarque moi. Oh, faut que je prenne un truc par contre pour taper dessus là. Ouais, en fait le principe du jeu, donc forcément tout ce qui est munitions et tout ça sont assez rares. Donc nous ce qu'on a adopté comme technique, c'est généralement une arme de poing, une arme de corps à corps et de quoi s'éclairer. Ouais. Putain mais c'est pas vrai, snipe il prend beaucoup de place hein. T'as dit... Ah merde, j'ai pas... Putain comment tu es, j'ai même pas balancé le truc. Voilà, merci. J'arrive. Fais gaffe, y'en a un pile sous la trappe. Droite, gauche. Oh, il est avancé. C'est bon, je l'ai défoncé. Moi j'ai un petit peu du monde. Aïe, putain, casse-toi, salope. Oh. Faudrait que tu mettes un bip là. Non, t'inquiète. On a le droit, merde. Hein. Faut déconner. Moi je me suis fait toucher, je crois que je suis. J'espère que je suis pas infecté. Hein. Ça commencerait déjà mal. Exactement. Oui, parce qu'en fait, bon, bien sûr, on préfonçait dans le tas, un peu comme dans le zombie de Call of, taper un peu dans tout. Mais l'inconvénient qu'il y a dans ce jeu, c'est qu'en fait, quand on se fait mordre, on peut se faire infecter, et quand on est infecté, bah forcément, on finit par mourir, et donc tuer ses coéquipiers. Mais il y a toujours une solution, c'est le cacheton magique. Mais qui est très rare. Ouais, ouais, c'est très rare à trouver, en plus, sur cette map. Enfin, même sur toutes les maps du jeu. C'est assez planqué. Quelque seul mode de jeu d'ailleurs au passage. Voilà. Il y en a pas d'ailleurs ici, normalement on n'est pas passé, non. Non, je crois qu'il y en a un peu plus loin. Bon, après les objets ça réapparaît toujours aléatoire. Donc il y a des spots, on va dire, d'objets où certains objets vont réapparaître. Un coup ça peut être une arme comme du soin ou autre chose. Après généralement c'est globalement les mêmes endroits où spawnent les objets. Ouh. T'as kiffé ma hache, hein, connard. Aïe aïe putain. Alors là, si je suis pas affecté, c'est qu'il y a un souci. J'ai pris cher là. Ah, des cachetons, ça tombe bien. Merci. Je suis pas loin derrière toi, hein, t'inquiète. Ouais, voilà, tiens, moi aussi j'ai trouvé des cachetons, tiens, très bien ça. Par contre, ça y est, j'ai l'inventaire plein. Oh putain! Putain, y'a beaucoup de zombies là, y'a pas d'armes là. Parce qu'après, le gros inconvénient du jeu à savoir, c'est que plus on est chargé, donc plus. Comment dire? Plus on va s'essouffler vite et moins on court vite. Après l'inconvénient c'est quand on est essoufflé, on tape moins fort et donc forcément on fait beaucoup moins de dégâts quand on tape au corps à corps. Ouais, ce qui donne quand même le jeu assez réaliste avec ça. Hein. Ouais, ça rajoute même pas mal de difficultés selon les moments. Mmh. Donc au clair, on peut oublier le fait d'être en beau, d'avoir 15 000 armes sur soi, ça sert complètement à rien. Ça c'est sûr. Moi je te vois un peu dégommer les zombies là-bas. Bon après il y a plusieurs façons d'approcher, il y a quand même une touche pour repousser les zombies et éviter de se faire mordre. Touche qui est généralement la touche qu'on utilise pour le corps à corps. En fait on est venu faire quoi ici? Je sais pas, visiter. D'accord. Ça me va. Ah c'est quoi ça? Ah il y a un 1911 là par terre. Vas-y prends, moi je suis déjà blindé. Hein. Maintenant je suis blindé, si tu veux récupérer des chargeurs et récupérer des munitions. Bah, parce qu'après, autre avantage du jeu, étant donné que les armes sont assez rares, enfin les armes. Les armes, non, elles sont pas rares, mais après, c'est les munitions qui sont très rares. Et donc, du coup, le gros avantage, c'est qu'on peut désarmer les flingues, garder les munitions de côté, et donc avoir des munitions pour un peu plus tard, ce qui est toujours une grande aide. Mmh. Ah, tiens, des bandages là. J'ouvre la porte. La petite porte, elle est ouverte. Il y a un flingue, on s'en fout, ego. Oh putain, je me fais toucher pas! Oh, à travers il m'a touché l'autre. Ok. Ah bah ouais. Oh putain, 15 mètres. Balèze, balèze, balèze.
À 15 mètres, ça me rappelle un autre jeu de zombies, ça. Lequel? Oh, ce sera certain Call of Duty. Ah. Où les zombies te touchent à 10 bornes. D'ailleurs, le seul intérêt de ce jeu, Call of Duty, le mode zombie. Ouais, assez même. Attention. Oh putain, tu t'es fait toucher, hein. Ah, j'ai des cachetons, fais voir. L'avantage, c'est qu'on voit direct si on était infecté. Ah, bah, j'étais infecté. Putain, le Parce qu'on monde qui perçoit après direct les a... pilules. Est-ce qu'on en avait d'autres en arrière, purée? Hop, hop, hop. Non, y a pas. Ah bah ouais, d'accord, j'ai plus de balles. À moins que j'ai pas rechargé comme un con. Ça fait certain pas devant le zombie, sinon ça va être la merde. J'ai plus de balles, Bon, là, dégage. y a une petite salle qui est une réserve. Normalement, il y a le code qui est marqué tout en haut auprès du spawn. Bon, ça, par contre, les codes, ça change jamais. Généralement, c'est toujours les mêmes. Je les ai notés sur un papier, de toute façon. Ouais, vas-y, balance. Vas-y, c'est quoi, t'es où? C'est où la porte? La porte qui est en bas. Parce qu'après, dans le jeu, on voit très souvent les mêmes codes. C'est-à-dire que des fois, on se balade sur d'autres maps. Il y a marqué exactement le même code. C'est un truc du genre 2947. C'est assez fréquent. Bah là, je l'ai, 9247. Je sais pas si c'est 9247? celui-là. Ouais. Vas-y, tape, hein. Je t'en prie. Voilà, c'est ça. C'est Parfait. toujours le même code quasiment partout. C'est, on va dire, le seul petit défaut du jeu. Ils auraient pu un peu varier ou. Mais bon. Fusil de chasse. Ouais, par contre, moi, c'est munitions qui m'intéresse à la limite. On regarde de côté. Tu nous fais exploser la. Le Ouais, je veux bidon. bien. Ouh là là là, il y aura du monde dehors tout à l'heure. Hein. Merde, je prends le briquet, ça va pas le faire. Ah, chalumeau. Fais derrière la porte. Ouais, bah j'ai l'impression que je les entends. Comment ça sauve, mort de rire. Vas-y, attends. Mince. Fais gaffe, fais gaffe! J'y vais. Hop, 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 hop. Ouais, attends, évite de bloquer, vas-y, recule, recule, recule. Allez, boum! Oh putain, j'ai même pas tué. Ah non, je trouvais Attends, soufflé là. j'ai un flingue. Ça peut être plus utile, fais gaffe. Allez, hop, c'est parti. Merde, je vise un peu à côté, hein. Voilà, j'ai plus de munitions, c'est quand ça c'est fait. J'en ai un qui bouge pas, si ça y est. Tant que ça monte au cerveau. J'en vais se saluer le chalumeau, pardon. Oh, le monde qu'il y a là, c'est un truc de malade. Hein. On est en hardcore ou quoi? Non, j'ai mis réaliste. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ça va être encore plus dur. Enfin, réaliste, c'est pour l'endurance, tout ça, je crois. Ah, t'es sûr? Ou je crois que pour les dégâts aux zombies, c'est-à-dire qu'il faut pas 50 coups de machette pour les tuer. C'est vrai qu'on s'est pas renseigné sur ce truc-là. Mais... Par contre, on se bouffe en 2 secondes aussi, hein, réaliste. Ah, il y a des cachets pour en cas où je suis infecté. Bah, c'est bon, j'ai déjà pris, j'en ai retrouvé. Pourquoi je suis déjà blindé, putain, c'est pas vrai. Alors, qu'a-t-on ici? Des munitions. Alors, t'as pour un pas revolver, encore un kit de soins. Bah, tiens, je te laisse faire la porte, je vais essayer de prendre des trous. Bah, j'ai pas de place, moi, pour le chalumeau. Putain, mais ça veut pas le prendre, je comprends pas. À moins que j'en étais déjà un, comme un con. De quoi, de chalumeau? Ah, bah j'en ai déjà un, je suis bête. Bah, je vais la laisser là, le cacheton, je vais le laisser ici. Ah, je crois que j'en avais pas, alors hein. J'ai pas liké pour rien. Bon, allez, Oh! Comment chalumeau. ça, je suis infecté moi? On va prendre le cacheton, ouais. C'est nickel. Je me suis même pas fait toucher en plus. Enfin, tout à l'heure, si, mais bon. Ça a mis du temps à se déclarer alors. En fait, là, je suis en train de poser une question. Est-ce que le cacheton sert pas temporairement? Ouais. Ah, si, ça, c'est horrible. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion en fait de survivre assez longtemps pour prendre 10 fois des cafés dans la même partie. Même si on a déjà plusieurs fois bien avancé, mais. Y'a avec ça comme balle, tu te fous de ma gueule? Ah ouais, bah ouais. C'est un fusil à chasse, hein, y'a que 2 coups. Oh, mais y'avait pas beaucoup de munitions. Ah, d'où l'intérêt de décharger toutes les armes qu'on trouve. C'est quoi ça? Alors comme vous le voyez derrière la porte ici, on doit brancher la petite prise électrique là, téléphonique pour mettre le courant et activer la batterie qui se trouve de l'autre côté. Mais on n'y est pas encore, je sais pas si on va y arriver d'ailleurs, ça va être un peu chaud. Oh là, il y a de quoi faire quand même. Putain, tout ce qu'il y a comme zombie, t'es sérieux? Ouais,
On va jamais y arriver. D'ailleurs, ce qui est chiant, on peut Ouais, pas mais là, s'effarcer. je vais essayer de garder la tronçonneuse parce que bon, il y a des armes un peu bonus, genre tronçonneuse, des trucs comme ça, mais bon, c'est assez rare. Ou fusil d'assaut, ça arrive de temps en temps, mais il faut en profiter en fait. C'est vraiment les armes, comme tout ce qui est explosif, à garder de côté pour Tu vas pas la t'en galère. servir là parce que au passé là ça va être chaud. Bah, attends, on essaie un peu de les boîter parce que j'aimerais bien la garder pour après. Waouh. Ouais, te fais pas gober. Bah, tu vois, on s'en débrouille très bien. T'es épuisé. Ouais, je Oh, vois il m'a ça. poussé tout lui. Attends. T'as plus d'énergie. Je recule un petit peu. Fais gaffe, fais Mais gaffe! d'où, putain? Ah! Je crois que t'es un fake, à mon avis là. Je crois que c'est mal barré. Je sais pas du tout. Je vais attendre de voir si ça se déclare. Ah, il est là par contre, moi je vais être infecté largement. Putain, dégage! On va jamais y arriver, bordel. Ah ouais, là je suis infecté. C'est ce qu'il reste à faire. Allez. Ah bah non, c'est plutôt des soins. Ouf, j'ai eu peur. Peut-être encore un truc pour pas être Ouais, infecté, non, j'ai ouais. pris une trousse de soins qu'il y avait là-dedans. Tout à l'heure, j'avais pas la place, mais là, j'ai pu poser quelque chose autant l'utiliser. Là, c'est un peu dur d'aller à deux parce que t'es entre la porte et on risque de se bloquer. Ouais, ça, il vaut mieux éviter. Vas-y, attends, je mets au moins encore un ou deux Oh coups. là là, juste à côté. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système de points. Donc, ça permet que tout le monde joue en équipe sans penser qu'à sa gueule. Ce qui est assez Mais ouais. sympa. Ouais. Il reste beaucoup encore là? Ah ouais, putain. Bientôt de quoi passer, je pense. Si on continue. Pousse-toi, Ouais, pousse-toi, Diane, pousse-toi, pousse-toi. c'est bon, c'est bon. Je voudrais faire de la merde encore là. Oui, parce qu'on a déjà la deuxième fois où on filme. Voilà. Faut dire ce qui est. Mais d'où, purée, le truc en train de le tabasser à coups de machette, il arrive à te mordre, quoi. Et je suis infecté, bah, j'ai bien fait de garder les cachetons de côté. Allez hop, toi aussi. Ça va, je les ai aussi. Ah bah, ah bah non, là je suis en. Oh putain, je vais crever parce que j'ai pas d'avis. Tu sais, ça clignote. On risque de mourir quand même ou pas? Sans trousse de Ça soins. clignote, c'est-à-dire. Bah, là, ça fait des taches de sang, mais ça fait pas que c'était infecté. C'est l'autre, il demande de la trousse de Oh soins. purée, t'es comment ça s'appelle? Va chercher le Ouais. bandage. Il est où le bandage? Tu sais où il est? Ouais, je sais où il est. Bah, je te suis parce que je sais pas où il est, je vais Tu bientôt. réagis. Alors là, si t'as pas trop son, mon avis, t'es mort très rapidement. Ouais, bah faut vite se dépêcher parce que là, mon petit va. Par contre, j'ose même pas imaginer à quoi ça ressemblait quand on va revenir à la porte. Ouais. Hop. Aïe, putain. Ils sont au fond du couloir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il faut que tu sautes. Il faut que t'ailles de l'autre côté du couloir, tu sais. Ah, de quoi, je suis là vers toi, moi, là. Non, non, c'est pas là. Ah, mais vite, Non, je vais crever. ouais. C'est pas facile. Il y en a pas ici dans ce putain de bled. Vas-y, descends l'échelle à droite. Droite, droite, droite. Saute dans le trou. Sans te tuer. Ouais, je vais essayer. Et c'est tout au fond de l'autre côté. À droite. Non, l'autre côté. Ou quoi que si, 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 c'est là, c'est là, c'est là. Vas-y, Vite, il je est vais au fond entre mourir, les je vais bougies. mourir. Vite, 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 Sinon là, vite. ça va être la honte absolue. Ah oh, oh putain, merci. J'ai une chatte, mon gars, là. Ouais, par contre, c'est juste sur moi que je voudrais bien. Ah ouais, parce que je vois que t'es en train de crever la mort. Il n'y a plus de trousse ici, il n'y en a pas une dans la pièce, non? Dans la réserve en bas, peut-être. Je vais regarder. Je crois bien que dans la réserve, il y en a une normalement. Ouais, tu l'as prise, elle y est plus. Non, la réserve, j'ai pas pris, j'ai pris celle qui était dans la cuisine. Bon, bah là, on va retrouver la porte. Ouais. Voir quel mystère nous attend. Enfin, quelle galère plutôt. Encore, faut savoir qu'il y a un chemin beaucoup plus galère. Hein. Parce qu'il y a plusieurs chemins, ça change aléatoire à chaque fois qu'on recommence. Il y a un chemin beaucoup plus galère qui te fait passer par un sous-sol sur cette map, qui est une horreur. Comme pas possible. Là le chemin est un peu dégagé mais ils reviennent. Putain en fait faut s'écarter. Hein. Si ils reviennent à chaque fois. Attends je vais essayer de rusher comme un bâtard. Allez cours. Ça va, il y a la place. Bon je vais brancher le truc. Tu les attires. Allez attends. Je vais Merde. essayer. Oh. Ouais quand même. Mais d'où il me chope? Ah! Voilà. Vas-y, normalement là, tu devrais pouvoir passer là. Attends, vas-y, je sais pas si je les attire là dans le coin.
Et là, faut aller où en fait? Revenir en arrière. Ah ouais, merde. Putain, mais ils me poursuivent, c'est con. Oh, what? Il m'a touché! Oh non, 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 non. Ils Je ont faim. vois en noir et blanc, ouais, je suis encore machiné. Bon, je vais crever, hein. Je suis désolé, mais. Oh Ça va non, je pas suis le pas loin. faire. Et bah voilà, je suis mort. Oh non! Bon, c'est Infecté ou pas grave. hémorragie? Bah, je suis mort, c'est bon, bah, hémorragie directe. L'autre, il court comme un fou, le zombie. Faire, je vais me réveiller, là, ça va être encore pire. Bon, au moins, vous avez vu quelque chose de cette vidéo quand même. Là, je suis Ouais, même moitié si elle sera brisé. sûrement gommée pour Non. pour montrer un moment où on se prend pour des PGM. Bon, on a été bon, hein. On est comme allé. Enfin, pas si loin que ça. Mais... le but, c'est que c'est assez chaud. Hein. Au Je moins suis que le encore jeu est. infecté, donc je suis mort dans pas très longtemps. Ouais. On montre quand même que le jeu est assez très 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 MFM, pas assez mais super difficile. Après peut-être qu'on est des lots, mais bon, on est que deux hein. Peut-être que après hein. Allez, fais un massacre avant de crever. Avec un peu de chance, il y aura des cachetons. Ouais. Bon, tant qu'à faire, autant mourir en battant. Allez, Oh, il y a des on. cachetons! Il y a des cachetons! Oh, alors ça c'est la chaise. Ah putain. Ah, il faut que j'inscris. Allez, vas-y, la tronçonneuse. Oh non, c'était des bandages! Ah, ça c'est la loose. Bon, on va prendre la tronçonneuse et faire un petit carton. Je suis bien mort. Encore une. GG. Et voilà. Ah bah voilà. Ouais! Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. On a été quand même pas si loin que ça, malheureusement. Ça a quand même duré 17 Pas minutes. très loin de la fin, mais pas tellement près. Voilà. Et encore. Donc là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye bye! Ciao.